Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Origins. Alors, quelques petites mises au point à faire. On a fini la quête principale bientôt. Il me reste une mission, une quête à faire en fait. Celle-ci, le dernier des médias, et apparemment c'est la dernière quête. Ça va faire un enchaînement de plusieurs trucs. C'est la fin du jeu en fait, tout simplement. Donc, ce que je vais faire en fait, là pour moi, c'est 2h du matin. Et j'ai pas envie de terminer la quête maintenant. Il y aura plein d'infos apparemment, etc. Donc, j'ai pas voulu me spoil. Je sais pas combien de temps ça dure. Si ça se trouve, ça dure 20 minutes. Si ça se trouve, ça dure 4 heures. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo et dans les prochaines, je pense, ça va être un petit peu de balade. Il y a des quêtes annexes à faire. Là, c'est une quête quotidienne que je suis en train de faire de Reda. Il y a des quêtes. Hop, il y a ça, toute cette région à découvrir. Je vais faire ça pendant. Je vais filmer pendant 2-3 heures et après j'irai me coucher. Et en me levant, je ferai la quête principale, tout simplement. Donc, ça va être la dernière grosse session de quête annexe avant la fin du jeu. Et ensuite, eh ben, je finirai le jeu et je continuerai les quêtes annexes après la fin du jeu, quoi. Donc voilà. C'était juste pour prévenir, pour mettre les choses au point. Donc là, il y a un convoi à intercepter. Et à buter surtout. Et ils ont pris une marchandise à Reda. Donc Reda, les quêtes quotidiennes, etc., etc., qui donnent de gros objets en général. Enfin, il y a des chances. Ah merde, ils repartent. Ils repartent. On y go. Alors ça va être compliqué dans le sens où... Oh putain, il y a beaucoup d'ennemis là. Ego ascendam tibi dolor. Se presento. Parfait. Oh non, des flèches enflammées. Ça j'aime pas. C'est toi qui as les flèches enflammées? Ouais. Non, c'est toi, c'est pas toi, c'est toi. Oh, ce que je me suis pris. Ok, bon, ça va pas être aussi simple que prévu. Ok, ça va pas être aussi simple que prévu. On peut pas mettre un piège ou un truc comme ça là? Et du coup, ils sont où là? Ah, j'ai qu'un essai. Ah non, tuer les hommes de. Ok. Et c'est où? C'est où? Je dois être stupide, hein, mais. Genre. Je dois être stupide, hein, je le vois pas, mais je dois être stupide. Il a changé de map, ils sont plus dans le même jeu, enfin, je sais pas. Allô? Ah non, ils sont là, ok. Attends. Bon, ça va, ils sont pas si loin que ça. On va essayer de se les farcir, mais ils ont des flèches enflammées et ça, c'est pas vraiment cool. Je sais pas comment gérer les flèches enflammées en fait. C'est ça le problème. Ou alors je les endors un par un par derrière. Et je les assassine. Ouais, on peut faire ça aussi. Ouais. Je pense que je vais faire ça, tu vois. T'es pas du tout parti au bon endroit, mon petit Bayek.
On va les endormir, écoute. Wow. Je pense que c'est un bon plan de faire ça. Tonnerre du désert, j'ai pas le temps de te récupérer. J'ai envie d'aller vite. Oula, vos bottes de foin, elles apparaissent au dernier moment, mon pote. C'est bon. Objet de quête, artefact ancien. Faut le ramener à Reda, c'est ça? 1000 km, 1000 mètres, putain, un jour je réussirai à dire 1000 mètres et pas 1000 km. C'est un truc de fou, je confonds les... Enfin, c'est que dans ce jeu en fait, je sais pas. En fait, la map me paraît tellement grande, je vous assure que la map me paraît gigantesque. Et elle est gigantesque, et du coup, je pense directement en kilomètres en fait. Genre. Là pour moi, faire Reda Bayek, ça faisait au moins 3 km quoi. Enfin, du coup, c'est pour ça qu'au lieu de dire 1000 mètres, j'ai dit 1000 km. Mais bref. Donc, ouais, voilà, je vais faire. On va faire que des quêtes annexes, que de la balade dans cette vidéo. Et je sais pas, ça se trouve, je vais tout filmer d'un coup, ça va prendre 4 heures, mais. Une vidéo de 4 heures, mais sinon. Enfin voilà, on verra tout simplement. C'est le dernier gros run, donc autant en profiter. J'espère trouver de nouvelles armes et tout pour être assez classe dans la dernière mission. Alors, mon petit Reda, j'ai beaucoup d'espoir en toi. J'espère que tu vas me donner quelque chose de très classe. Quelque chose qui va me servir. Bien joué, Medjay. Voilà pour toi, comme promis. Et là, il va me donner une... Ouais. Pourquoi pas. Pied le trésor... What? Mais je l'ai fait, pied, ça. Cet endroit est un havre de paix. Un endroit où les voyageurs se reposent. Ok. Ça aussi, c'est chiant dans cette zone. Oh, il est interdit de venir ici. Oh, nique-toi. T'es mort. Quoi? Oh, pff. Quoi? Toi, je t'avais pas vu. Inferno. Tu veux jouer à l'arc, toi? Sérieusement? Ah, vous voulez tous les deux jouer à... viens par là, mon coco. Ah. Et toi, viens par là. Et toi? Hop, parfait. Hop là, tout ça pour un petit trésor. Je pensais pas être vu en fait. Ok, parfait. Massue lourde, ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On peut se téléporter là-bas. Perdu en mer. Ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Ça a l'air d'une mission chiante. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant la vidéo, mais je vais le faire. Faites comme si c'était un live en fait, et que je vais faire des trucs en même temps. Voilà. Comme si je jouais dans mon coin tout seul et que vous m'observiez. Je vais aller sur PSTHC. Voir pour le platine, parce que j'ai envie du platine du jeu en fait. Oula, 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 oula.
PSTHC, PSTHC, AC Origins. Voilà, je laisse charger la map. La map. La page. Allez, hop. Ah, il y a un forgeron. Perdu en mer, alors ça, est-ce qu'il faut chercher quelqu'un qui a été capturé sur une trirème ou est-ce qu'il faut chercher un truc qui est sous l'eau? Mon fils, ce n'est pas un criminel. La deuxième option. Merci de t'être arrêté. La première option, pardon. Mon mari était un protecteur comme toi. Je m'époumonne et crie à l'aide depuis des jours, mais en vain. Dis-moi quel est ton souci, Nebet. Mon Titus, mon pauvre Titus. Il est emprisonné à la caserne. On l'accuse d'avoir tenté de déserter. C'est un déserteur? Non, un héros. Il en a eu assez. Il s'est opposé à l'armée romaine et il a rejoint les rebelles. Je t'en prie, c'est mon seul enfant. Je n'ai plus que lui. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Alors apparemment, il y a des trophées manquables. Alors, ça, je suis dans la merde. Bloqué, appelez c'est nous. Donc, il est... Mais il est pas dans la mer, il est là. C'est Titus. Oh, c'est Titus. Non, il est pas connu. Non, vous oserez pas. Je sais pas. À la caserne d'Apollonia. Ah, on l'a jamais fait, cette caserne, bien. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Mieux vaut ne pas attirer l'attention, ici. Alors, attends. Oh, c'est une petite caserne. Quoique, ouais, ça va. Il y a pire, il y a... Ah, mais j'étais arrivé ici. Oui, le bateau, vous vous souvenez, j'étais dans un bateau et il s'était arrêté là. Et après, j'étais parti, ouais. Il y a un trésor là. Un capitaine là. Oula, oui, c'est pas une petite caserne, en fait. Il y a plus petit, quoi, comme caserne. Voilà, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a d'autres mecs snipers? Apparemment, oui. Juste là. Et des mecs là. Ok. Toi, tu regardes un mur. T'es un petit peu con. Voilà. Alors, je vais tuer tout le monde avant de libérer le mec, là, parce que... Lui, il s'entraîne. Je pense qu'il vaut mieux tuer tout le monde, parce que... S'il faut aider le mec à s'échapper, on va avoir quelques soucis, hein. Ça nous est déjà arrivé. Hop. Oula, qu'est-ce que tu fais, Bayek? Ok, là y a personne. Et ici, est-ce qu'il y a du monde? Ah, il y a un mec qui vient par là, il y a un truc en captivité là, pourquoi pas. Un lion en captivité, pourquoi pas. Oh, t'es sérieux, il a... Oh putain, il bouge trop la flèche, il bouge trop la tête. Toi, tu dois pas comprendre ce qui t'arrive. Ah merde, il a enflé lui en cause de moi. Ah merde. Ma dernière flèche. Ok, bon, il doit plus rester grand monde là. Parfait. On peut aller assassiner lui. Quoique. Ouais, je l'ai entendu.
tibi ave, ibi manere. 1830 plus. Parfait. Hop, on va vite fait looter le trésor qui est par là. Et le mec est là. Mais Titus, putain. C'est ta mère qui m'envoie. Oui, par les dieux, merci, protecteur. Mais l'Égypte est en danger. Il faut que je sorte. Mais viens. Tu viens ? Allô ? Ah, ok. J'ai pas vu d'entrée, en vrai. Par où on entre ? Ah, par là, mais il y a des mecs qui arrivent. Je ne veux pas mourir sur une terre romaine. C'est bon, viens là. Viens par là plutôt. Ah. Pourquoi l'armée enferme ses propres hommes? Papo m'a appris à me battre. Mais il croyait en l'honneur et en la justice. Le navarque de la flotte romaine, Marcellus Asina d'Apollonia, prépare une invasion. Ah, ils veulent s'emparer de l'Égypte. Oui, j'ai déserté pour ça. Je ne veux pas faire le sale travail de Léandre et de Flavius. Où est ce navarque? Sur son navire. Il patrouille sur les eaux entre Cyrène et Apollonia. Sa mort désorganisera complètement la flotte. Kizet t'accompagne, Titus. Je vais m'occuper de ce navarque. Cool, un navire attaqué. À 1100 mètres, ah oui. Ah oui, il est loin. Oula, oui, il est loin. On va pas le faire de suite. On va gagner du temps. J'arrive où ils attaquent Flavius là. Titus. L'autre il dit cours. Quoi? J'ai rien fait. Merci Titus. Désolé hein, mais... toi, attends, réquisition du cheval. Bon, mon cheval est là. Go à la quête presse. Quête annexe. Qui est juste à côté. On va pas faire 1000 km pour revenir à 1000 km et faire. Voilà, j'ai la flemme. Très clairement. Donc voilà. Il y a une mise à jour d'ailleurs de 4 Go. Je sais pas ce qu'elle apporte, mais 4 Go c'est énorme. Donc apparemment il y a beaucoup de correctifs, mais bon, je me tiens pas informé des batch notes. Donc en tout cas, je vous avoue que j'ai hâte de finir le jeu parce que je fais presque une overdose. Presque. Il est bien le jeu, franchement il est bien. Je donnerai mon avis final à un moment, je ferai un vidéo test ou je sais pas, mais... Vidéo test. L'Égyptien, viens voir. Il paraît que les chevaux de Cyrénaïque sont les meilleurs du monde. C'est vrai. C'est pour ça que ce maudit intendant romain m'a pris ma plus belle monture, Hermès. Hermès n'était pas seulement le plus rapide, c'était aussi le meilleur étalon. Il manque aux juments. Il me manque. Je peux te payer. Tu veux que j'aille sauver un cheval? Je l'aime comme un frère. En fait, mon frère est pire qu'un âne, alors j'aime ce cheval plus qu'un frère. L'ivrogne d'intendant qui me l'a volé doit déjà être au pendocaillon d'Archille à l'heure qu'il est. C'est sur la route d'Alexandrie. Peux-tu trouver Hermès et me le ramener à la maison?
Mon frère pour un cheval. Ok. Okay. En plus, c'est là où je dois aller, donc parfait. On fera peut-être les deux d'un coup. Attends, c'est où? Ouais, ma mission, elle est là. Bah attends, attends, tu sais quoi? On va pas prendre le cheval de suite, parce que le cheval, il va falloir le ramener à machin truc. On va d'abord tuer... on va d'abord tuer le capitaine, là, du navire. On va d'abord tuer le capitaine du navire et... on verra par la suite. Oh, niquez vous. Non, franchement, non. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ça, franchement, non. Je vais essayer de les fuir parce que... Au loin, putain, Bayek. Adieu. Je suis un innocent, je crois. Je déteste les combats à chevaux, à cheval. Aïe. Adieu, je vais mourir. Non, je vais mourir. Non, franchement, je vais mourir, là. Seule chance. Adieu. Je me prends une flèche et je meurs. Ouf. Je peux même pas attaquer. Putain, je déteste ces combats à chevaux de merde là. Et je vous assure, c'est, je crois que c'est la pire invention du jeu. Genre vraiment. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas. C'est... Là, c'est vraiment un truc que j'aime pas, ça, les combats à chevaux, enfin quand les ennemis sont à cheval, ça c'est ignoble. C'est vraiment wow. Je suis où là? Attends, ils m'ont fait réapparaître où? Mais c'était pas du tout ici ma quête. Ah oui, d'accord, mais oui, mais son navire il bouge en fait. Oui, bah oui, c'est super. Donc on va faire le cheval, là, écoutez. On va faire le cheval. Ah, putain. En plus c'est de nuit, ouais, bon, vas-y. Atelier de teinture. Ah, c'est vrai qu'on peut pas teindre les armures, c'est dommage ça. C'est vraiment très dommage. Ah, ouais, je me disais, il n'y a aucun ennemi, c'est bizarre. Près du pont romain. On va juste tuer le mec et basta. On va pas rentrer devant lui non plus. Là, il est en train de monter, donc à voir. Est-ce qu'il va dormir? Ce serait cool. Oh oui, il va dormir. Je parie que c'est ce voleur d'intendant. Je suis un bouffon. J'avais pas vu que le civil... La recherche d'Hermès continue. Trajet quotidien aux abords du fort. Oh putain. Oh non, ça j'aime pas ça. Ça va être horrible. Bonjour.
Le pont romain. Ah oui, ils construisent un pont. À la... Je crois qu'ils avaient dit ça une fois. Qu'ils construisaient un pont entre Alexandrie et. Sirène. Bah, il est fini le pont là, quasiment. Tonnerre du désert. Go, go, go. Le cheval est là. Ah. Évidemment, c'est un gros camp. 30 fer. Ah, ça peut être utile de niquer ce... Ce truc, ce navire. De le piller plutôt, je veux dire. Ça peut être très utile. 30 fer, c'est beaucoup quand même. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Le navire est là. Ah, il y a des lions en captivité, ok. Est-ce qu'on se fait le navire avant de... Ouais, non. Quoi que je pourrais, en vrai. Donc le cheval est là. Ah ouais, mais si je libère les lions, ils vont buter le cheval. Hein. 100%. Cet endroit est très bien gardé. Et merde. Stanley, voilà. Lames, coules. Sister, mais tout. Et non, mauvais. Alors lui, il a complètement bugué. On pourra jamais le tuer, je crois. Ah si. J'ai écrasé la tête. Oui, Hermès. Tu es un bon cheval. Oups, le truc de renfort est là. Donc s'il va appeler des renforts, je vais le défoncer. On va prendre le trésor pendant qu'il me cherche. Le navire est parti. Bon ben cheval Hermès, go. Qu'est-ce que tu as de si particulier, Hermès? À entendre ton maître, je m'attendais presque à te voir voler. Ah, c'est ça, Hermès. Tu es plus puissant que les chevaux que j'ai eu l'occasion de monter. Tu me plais, toi. Tonnerre du désert, n'écoute pas ce que je dis.
Je dis ça juste pour qu'il m'écoute. Hein. Je lui fais de la lèche. Le temps qu'il m'écoute. Mais dès que ce sera fini, t'en fais pas, t'es le meilleur, tu veux, tonnerre du désert. Alors je vais pas suivre la route, hein, si je me tombe dans une embuscade. Hein. On connaît bien, hein. N'est-ce pas? Embuscade, lol, à cheval, lol, flèche enflammée, MDR. XD, lol. Donc on va éviter les grandes routes et... J'avoue qu'il est rapide le cheval. Et en plus il est classe. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Ah, j'avoue, on dirait le cheval de Zoro. J'ai failli Je suis rentré dans un endroit interdit. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous croyez que j'ai réussi à rentrer dans un endroit interdit? Hermès, mon beau, tu l'as retrouvé. C'est nihil, Hic. Cassez-vous, les gars. Ramadeth. Et voilà, mon grand. Tu retrouves ton maître. Hermès! Ce soir, tu auras le meilleur fourrage et la plus belle jument, mon vieil ami. L'intendant l'avait donné au centurion du fort de l'Est. Il ne viendra pas te le reprendre. Ces soldats, ils nous dépossèdent de tout. Ah, tu vas nous donner une belle lignée de champions, pas vrai, mon grand? Voilà pour toi, mon ami. En récompense de tes efforts. Merci. Mon frère pour un cheval. Oula, les ennemis sont là. Du coup, le bateau attaqué, où est-il? J'ai l'impression qu'il s'est éloigné. Ouais. Vite fait. Oh, j'ai gagné. Ah, oh, j'ai gagné une cheval. Ah ouais. Quête, équipement, inventaire. Ouais, mais c'est pas... Moi, j'ai un cheval de pharaon, frère. J'ai tonnerre du désert. J'ai... Brume de l'aube. On dit qu'au matin de sa naissance, une brume venue de nulle part l'a entouré de l'écurie, et je n'en crois rien. Attends, j'ai tonnerre du désert, je vais pas monter un simple cheval, moi j'ai un cheval divin. Allez go. On va attaquer un navire. Oula, on va beaucoup... Oula, oula, le navire vient vers nous, je crois. Vu à la vitesse à laquelle il va. J'ai presque envie de quitter les routes là et d'aller vers... d'aller prendre un bateau. Je crois que c'est ce qu'on va faire parce que... Bonjour. Il y a un tisserand. Il y a plein de bateaux là. Vas-y, on va en prendre un je crois. Oh, merde. Alors pas un bateau qui peut brûler facilement, hein. Évitons. C'est quoi ça? Oh putain, je crois que c'est un sous-marin. What the fuck? Il est bizarre ce rocher. Mon seul problème que j'ai avec ce bateau, c'est qu'il a une grosse jarre d'huile. C'est pas une très bonne nouvelle. Bah c'est pas grave. C'est lui que je dois attaquer? Apparemment. Ah bah il est au camp que je viens d'attaquer. Ouais c'est lui. C'est lui.
Il a l'air plutôt simple à faire. J'ai rien. Enfin, plutôt simple dans le... Ah. Ouais. Nick, toi, Benedout, à... Mitraillette. Meilleur lancer de ta vie, Bayek. Franchement, je crois que... Voilà. Ah. Voilà. Parfait. Tu vas devoir t'expliquer devant les dieux. Tout ça pour ça, perdu en mer. Ok. Ok. Bon, bah c'est fait. J'ai des points d'interrogation là, mais... Pourquoi il y a autant de photos là? Avec la tenue d'Altaïr. Ok, bon, mais on va aller par là, écoutez. On va faire cet endroit. Il y a un petit point d'interrogation là, est-ce qu'on le ferait pas? Allez, vas-y. Bonjour monsieur, quelqu'un veut venir me sauver ou pas? Ah ouais, le pêcheur m'a entendu. Mais attends, avant. Attends, pas maintenant. Je vais essayer de... Je crois que c'est ce navire là qu'il faut attaquer. Il me semble bien en tout cas. Ouais. Pêcheur, tu vas te faire attaquer, tu vas mourir. Il a attaqué de front un bateau. Oh putain. Le maire de Mézé Joyce. Et merde. Donc ok, c'est que de la merde en fait. Ah oui, effectivement. Qui a deserte et caputo. Davis Hawk, quiz, quizzes. C'est nous, non, attaque pas eux. C'est nous, j'ai besoin de toi. Les merdes. Il y a trop de navires à côté là, enfin de bateaux plutôt. Un navire peut contenir des bateaux alors qu'un bateau c'est un bateau. Ça va être compliqué. Oh putain, il y a un navire de méchant. Ils ont réveillé le mec qui dormait du coup, ok. Et là, je me fais bouffer par un requin. Oh putain, il y a un gros navire là-bas, on voit ses rames.
Non, c'est bon, c'est un pêcheur. Hein? Oublie un bite. Je peux pas le porter. Ils vont croire qu'il est tombé, le pauvre. Assistez! Les trous! Et non, mon verre! Eh merde. Oh putain, par les trois mouvements. Expecto Paulisper. Nos autum trica! Auxilium! Aliste ibi! Dacebo! Ultime quod! Tentacet! T'es mort. Ok, parfait. C'est bon. Parfait. C'est tout? Il y avait que ça à faire? Ok. Pour s'amuser. C'est violent. Ok, bon, bah, le navire ne va plus bouger du coup. Il nous a amené jusqu'au point que je voulais, donc c'est parfait. Il faut escalader tout ça par contre, ça c'est moins cool. On va y aller, hein, écoutez. Il y a une quête et un point d'interrogation. Donc c'est parti pour de l'escalade. Je rêve où la quête s'éloigne. Ok, j'ai rien dit. Fort romain de chair, ce noce, ok. Hop. Je sens que ça va être un gros fort. Effectivement. Attends. Un mec là, je l'ai vu de là-haut, on le voyait. Ou alors c'est ça que je voyais, peut-être, ouais, je sais pas. On va aller jusqu'à la quête principale. La quête, tout simplement. Ouf. C'était violent ce saut. Peut-être pas dû tenter. Il est où le bras zéro là pour demander des renforts? On va le casser de suite. Là. Ok, juste à côté du mec qui a là. Ah, ils attaquent à vue par ici. Personne ici, on est sûr? Si on est sûr, on peut foncer dans le tas, écoute. Ah non! Pas foncer dans le tas. Approche. Adieu. Je c'est un boss. Adieu, je saute. Il faut le rattraper. Je suis un bouffon. Je pensais que c'était un boss normal, genre... un boss normal, quoi, tout simplement. Et que j'aurais pu l'assassiner en un coup, mais pas du tout. Ah, quoi que, attends, je peux le faire tomber de la... Oh, quoique non, si la quête c'est de le tuer, je vais tout faire bugger. Medjay, au secours! Ah, ok. Thank you.
J'ai compris mieux. Ô gloire, un protecteur de l'Égypte. Je t'en prie, nous sommes en grand danger. Tu es raté, c'est ça? Je ne veux pas savoir comment tu le sais, mais pour l'avenir de l'Égypte, nous devons partir. Comment m'as-tu trouvé, Medjay? C'est notre chef qui t'envoie? La liste du centurion m'a conduit à toi. Je sais pas de quelle liste je parle, mais c'est pas grave. Ah! Oui, dégage! Il faut le porter. On va tenter, mais... Est-ce que t'es prêt pour un peu de balade? Ça va être compliqué de te porter en dehors du fort. Genre vraiment loin. Si je trébuche là... C'est bon ? Ah, j'aurais pu tuer le mec en fait. Bon, c'est pas grave. On va le faire juste après. C'est un gros boss du coup, ça va être chiant. Tu as la liste ? Les noms de nos agents en Cyrénaïque ? Oui. Et un autre agent d'Apollodorus a survécu. Je l'ai fait évader de la caserne de Balagrae. Ah oui, je m'en souviens. Tu as rendu un grand service à Apollodorus et à l'Égypte. Puisse Amon Re te récompenser. Ok, tout ça pour ça. Il faut terminer ce lieu du coup. Il faut t'amener ce lieu. Le problème est-ce que j'ai pas envie, tout simplement. Ah ok. Et du coup j'ai libéré les habitants et les habitants font de la merde, c'est ça? C'est ça le plan? Tibiabe! Ibimanere! Je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Pas ça que je voulais faire, pas grave. On dira rien. Pas là, ok, très bien. J'ai mal visé mon coup. Ah oui, ok, c'est là. Je crois que j'ai vu des mecs que j'avais pas capturé, que j'avais pas marqué. Faire du coup. En vrai, si je me mets là et que je me fais repérer, je peux sauter et hop et sauter dans l'eau. Enfin, pas dans l'eau, mais vous m'avez compris. Là, il y a trois mecs. Là, il y a un mec qui va me gêner. Thank you.
qui crie. Archer du mois, what the fuck? Attendez, je regarde ce que ça veut dire. Allez. Tue un ennemi d'une flèche dans la tête en l'état en l'air. Ah ouais? Ah, parce que j'étais sur un poteau, du coup pour eux ça compte en l'air. Ok. On va rester ici, y a pas d'ennemis ici, on est tranquille. Dis ta mère, c'est bon. Il y a un lion pas loin. Je sais pas où. Là, ah ok, là il y a des lions. Là je suis bien là. Comment est-ce qu'on pourrait faire du coup? Flèche. Plus de grosses flèches plutôt. Je suis moins bien d'un coup. Alors toi ne viens pas là. Passe par l'escalier. Je suis mort. Kertus non éthique. Oh my god. Tibi ave, ibi manere. Toi là t'as bugué. Allez frère. Toi t'as bugué. Stardew, voilà. Ah, y a pas de flèche par là là. C'est nous mon petit, c'est nous. Aide-moi à trouver des flèches. Là-haut peut-être. Là. Le problème c'est que c'est à la vue du général géant là. Peut-être pas en fait. Au pire s'il me voit. J'ai envie de tenter de le faire tomber. Bon sang. Bon sang. Il faut le rattraper. On va essayer de le faire tomber ici. Tiens à toi. Il est pas mort, il est tombé dans l'eau. Oh merde. Oh je suis dans la merde. Oh merde. Comment il va remonter? Attends. Oh moi je peux le faire en V1 là. Comment il va remonter? Attends. Il est complètement bloqué.
Il est bloqué. Ce qu'on peut faire du coup, c'est qu'on peut en profiter pour niquer des mers. Lui, il a tourné la tête au dernier moment, il m'a vu. Et personne, c'est parfait. Où sont les traits? Alors l'autre là, il est toujours en bas. Ok, ouais, il va essayer de remonter. Je sais pas comment, mais il va essayer de remonter. Il y a un trésor là. Il y a 4 trésors donc. Un trésor là. Des ennemis que j'avais pas vus. Ça pue. Ça met pas de bonne humeur ça. Il y a un trésor là. Attends, je vais essayer de le prendre. Trésor là, ouais. I see him. Hit, plutôt. Il s'est mis à sprinter, lui. Il me fait peur celui qui a sprinté là. Ils me font peur là à sprinter là, s'ils sont fous dans cet endroit. Où est le gros général gigantesque là? Où est-il? C'est nous? C'est nous? Ma petite, c'est nous? Capitaine ici. Et celui qui est tombé là, il est où? Parce qu'il est pas considéré comme mort en fait. Ah, j'espère qu'il a pas bugué, ça me ferait chier. Ça me ferait chier de fou. Ah, je pensais que c'était une bonne idée moi. Ah, je suis déçu là par contre. Ah, il est là! Il est là, regardez! Il est là! Il défend! Où il va? Mais où il va? Mais regardez où il est! Il est tout là-bas! Il est tout là-bas! Il faut que je passe vite. Ou alors je vais le tuer. Et je reviens ici après. Mais attendez, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que je peux sauter ici? Je sais pas. Regardez où il est, attendez. Il est en train de nager. Il est serein, il est... Je sais pas où, mais il est en train de nager. Là, il est là-bas. Allez, on va le suivre. Ah, il regarde la terre ferme. Ouf. Attendez, on va suivre ses aventures. Ah, c'est un héros, frère. J'ai même pas envie de le tuer. On va suivre ses aventures. Les mecs, ils vont voir un commandant arriver dans leur base. Mode, hein, mais t'es pas de la base adverse? Ouais, je suis tombé, j'ai fait une chute de 200 mètres. Écoute, je te raconterai pas comment. Ma femme se moquera de moi. Oh, le pauvre. Oh, Miskin, il me fait de la peine. Ah, il me fait tellement de peine. Il s'en fout, hein. Il m'a complètement oublié. Il s'est dit... Bon, au moins, il revient vers moi. Donc, je vais essayer de tuer tout le monde avant qu'il revienne. Comme ça, j'aurai le champ libre pour assassiner tout le monde, quoi, tout simplement.
On va passer par là. Faut que j'en assassine un. Faut que j'en assassine un. Oui, ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié, parfait. Comment on fait pour passer ? Comme ça. C'était chaud. Calmez-vous. Moi je pense au commandant là qui est en train de faire tout le chemin. Il me fait vraiment de la peine. Disparuit. Qui daga tuor in caelo nomen. Il est là, il arrive. Il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Je mets un marqueur sur lui pour... Dans 140 secondes, il sera là. Ça va être compliqué. Franchement, si je meurs, il faut tout recommencer. Très franchement... J'arrive pas à croire que le mec il a survécu. Oh putain, je crois que c'est l'ennemi le plus fort du jeu, les gars. Genre vraiment. Il y a trois connards là, évidemment. Ça c'est fait. 4 coffres sur 4, parfait. Et bah écoutez. Bon, le mec à l'entrée, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le tuer, très franchement? Très franchement, je pense pas. On va continuer. Ben, on va attendre le mec, tout simplement. On va se recharger en flèche et tout. Mais... Oh.
est juste là, parfait. Est-ce que vous pensez que... Oh non, non, non. Ah ben il est juste là, ok, il est rentré, ça y est. Suivons les formidables aventures de notre ami qui a fait tout le chemin, qui a fait un kilomètre à pied, après avoir fait une chute de 700 mètres. De 700 mètres, j'abuse, mais... J'espère qu'il va aller à son endroit sans sans s'occuper des corps. Et on va tenter l'Arkix sur lui. Il est colossal. Et là, il se retourne vers moi et fait... Oh putain, la vie que ça enlève. Hé, hey, quoi? On va le rendre fou, on va le rendre fou, on va le rendre fou. Plus personne en captivité là ? Osiris. Ah ! Bon, l'épreuve des lions, il a réussi la première. Tenez, s'approcher d'un deuxième lion, attention. Attention, je vais allumer le bras zéro sans faire exprès. Ça lui fait rien. Hein. Il a trop de vie en fait. Si on le fait brûler. Ouais, non, non. Peut-être là. J'aurais pas dû faire ça. D'où tu me vois là, frère ? J'espère qu'il a pas de lance de javelot, pardon.
Alors frère, t'as survécu à un plongeon de 200 mètres. Aussi lâche qu'un chacal. Est-ce que tu vas pouvoir survivre à ça? Je vais te tuer. Je peux pas le faire tomber. Il peut pas tomber. Non, je vais mourir. Cours. Cours pour ta vie, Bayek. On dirait Slenderman, les gars. C'est quoi ce combat, sérieux? J'ose pas me le faire en vain, en fait. J'ai peur de mourir et d'avoir fait tout ça pour rien. Putain, y'a pas un endroit où il pourrait tomber dans... Ah, il tomberait à l'air... Ah, si je le fais tomber là... Et qu'il tombe là, il pourrait mourir. Ou là, même là. Ah oui, là, oui, là, oui. Allez, on va tenter. Viens par là, Mufasa. Adieu. Longue vie au roi. C'est bon. Ah putain, non, franchement. Une minute de silence, les gars. Une minute de silence pour... Pour lui, tout simplement, parce que... Il a été incroyable. Je crois que c'est le meilleur ennemi que j'ai jamais affronté. Cette chute, ce twist scénaristique, cette odyssée, Oh putain. Frère, je vais t'offrir la mort que tu mérites. Ton cadavre ne pourrira pas au soleil. Tu mérites une mort digne. Enfin, pas une mort, mais une fin digne en tout cas. Je peux pas sauter là? Attends, bon, je vais maltraiter ton cadavre, désolé, mais... Une minute de silence, les gars, pendant que... Tu as traversé l'océan. Tu as traversé l'Égypte pour me retrouver. Mon ami. Ah merde, il y a des soldats. Bon, c'est pas grave. J'espère que... Mon ami, je te laisse voguer sur la mer, comment elle s'appelle? L'océan de Mésogeios. Puisse ton âme trouver le repos au fond de l'océan. Et puisses-tu voguer vers de nouvelles aventures, comme tu l'as fait pour me retrouver. Voilà, il va voguer vers l'horizon. Ah, je suis désolé, mais... Ah, j'étais obligé de faire ça, là. C'était quoi cette fin, là, les gars, sérieusement? Enfin, ce combat. On va aller là. Sérieux, je m'en remets pas. Je l'ai vu tomber, j'ai vu une grosse chute. Genre, ça a duré au moins 5 secondes, sa chute, quoi. J'étais content, j'ai dit, ouais, je l'ai tué, c'est bon, je vais pas galérer. Et là, d'un coup, je le vois survivre, je me dis... Oh, merde. Parce qu'à la base... j'ai vu que enfin... Il y a eu que des twists avec lui, en fait. Genre, j'ai essayé de l'assassiner, je pensais que c'était un soldat normal. Et pas du tout, en fait. J'avais vu qu'il a une grosse barre de vie. Je me suis dit, ah, merde. Donc déjà, j'ai paniqué. Et quand j'ai vu qu'il a survécu à une chute... Oh là là.
Village du Cap. Bon, ça, c'est pas un méchant village, normalement. Non, c'est bon. Ça ferait bien d'être prudent par ici. Il y a beaucoup de méchants, c'est tout. Une petite épée, pourquoi pas. C'est bon, le village est terminé. Y a rien d'autre à faire ici, sérieusement? Ok. Bon, les petits villages comme ça, sans intérêt, bon. Pourquoi pas. Bon, ben, on a fini cette ré... Ah non, pas du tout. Ah oui, non, pas du tout. On va aller par là. Ah, c'est dans les montagnes. J'aime pas les montagnes. Hop. Je comptais arrêter, mais... Mais je crois que je vais continuer encore quelques temps parce que... Là, ça m'a donné goût au jeu, là. Ça m'a donné goût au jeu. Goût au jeu, oh là. C'est un fort et merde. Ça, c'est pas cool. Peux-tu escalader ça? Oula. Je crois que ça veut dire non. Oui, oui, bah oui. Pas besoin de venir. Par contre, j'ai plus que 3 flèches. Ah, 3 flèches de sniper en tout cas. Enfin, de... Ça m'avait fait peur les bouquetins. Là-bas, il y a Alexandrie. On voit le phare. Ça, c'est des Romains, donc ils vont pas m'attaquer. Parfait. Tonnerre du désert. Ah. Allez, go. C'est un gros fort à attaquer. Bon, j'espère que c'est un petit fort. Enfin, un grand fort en taille, mais qui est que genre 5 ennemis à l'intérieur. Là, je vais utiliser ses nous. Je vais voir 10 ennemis d'un coup. Je vais faire... Oh putain. Wow. Cheval de la montagne à cheval. Oh, tonnerre du désert. Tu veux que je te renomme tonnerre de la montagne? Bon, merde, on va te faire foutre. Descends, Bayek. Tu vois bien qu'il t'aime pas. En plus, ça y est, la route. C'est un petit peu con, mais bon, c'est pas grave. Bon. Bon, bon, bon. C'est ça, franchement, c'est les moments comme ça où en live, ce serait mieux parce que il y aurait quelques personnes sur le chat, par exemple. En live, si j'étais sur Twitch, là. Il y aurait quelques personnes sur le chat, ce serait mieux parce qu'il n'y aurait pas de blanc. Genre, si jamais il y avait un blanc, je... Il y aurait un blanc, je... Comment dire, je... Je répondrai au chat, quoi. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Alors que là, bon, quand il y a un blanc, bah, je suis un petit peu obligé de... Je vais devoir être prudent. Alors, y a-t-il des mecs que j'ai pas vu? Je ne pense pas, ok. Donc toute la fourrure, ok, toute la fourrure était là-bas. J'ai plus de flèches.
Pas des flèches là? Oh, parfait. C'est bon, il reste plus qu'un mec. Enfin, je crois. Tibiave, ibi manere. Morse, ego ludri sordida. Tu t'es mis au mer au pire endroit, mon pote. Voilà. Hop, on récupère le coffre pendant que tout. Hop, parfait. Et voilà, parfait. On va prendre lui. Vous savez quoi? On va tenter un truc. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation là? Ouais. Je crois que c'est vers. Ouais, c'est vers les animaux. On va faire un de mes trophées. Un de mes trophées qui est de donner un cadavre à manger au. Il y a un Romain qui vient de me voir sortir d'un camp romain. Il s'en bat les steaks. Alors, est-ce que si un Romain me voit avec un cadavre de Romain sur le cheval, il va me dire quelque chose? Alors, ça, c'est interdit. Wow. Non. Adieu. Ouf, bien joué. Ah, il baille. Ah, il botte. Je crois. Alors là, il y a beaucoup de choses. Je sais pas ce que c'est. Beaucoup d'animaux. Léopard. Wow. Et merde. Ah bah c'est le camp que je dois attaquer de toute façon. Ok, bah cool. Fueris con vostro amici. Ah, il bouffe le cadavre que je lui ai donné. Ok, c'est bon, j'ai eu le trophée. En fait, c'est ça, le trophée, c'est de donner un cadavre à manger à un des animaux, un animal méchant, quoi. Enfin, un carnivore, en l'occurrence. Oula, 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 voyez. Ok, bon, on va partir d'ici parce que, voilà, j'aime pas trop. Déplacement rapide ici. Une photo là. Oula, 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 il y a beaucoup de lions là. Ça, c'est une taverne de lions. Une tanière de lions, pardon. À 100%. Et ça, c'est un camp de bandits. Ou de romains. Pour moi, c'est la même chose. Oh putain, je crois que c'était un truc.
Mon cheval est bloqué, il y a des léopards pas loin, mon cheval est bloqué. Voilà, 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 voilà. Il m'a entendu le léopard. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Il y a des léopards derrière moi, il y a des lions devant moi. Aïe aïe aïe. Ça pue. mètres là. Il y a un point d'interrogation que j'ai pas vu par là. Sérieusement? Là? Ah ouais. Voilà, on va y aller. Je fais d'abord ça. Parce que... comme ça, je pourrais me téléporter. Voilà, je me téléporte beaucoup depuis Sirène, en fait, parce que j'aime pas les montagnes. J'aime pas me déplacer dans les montagnes. En plus, il y a des embuscades très chiantes. Hein, on en a vu une tout à l'heure, je crois, dans cette vidéo. Ou dans celle d'avant, je sais plus. Et c'est très chiant, les embuscades, quand les mecs ont des flèches enflammées qui te poursuivent jusqu'à la fin du monde, que tu veux juste esquiver le combat. Très franchement, c'est pas la meilleure chose. Ok, bon. Déplacement rapide sélectionné. Enfin, disponible. Y'a pas des crocodiles par là, tiens? Un peu de chance. Ouais. En sociabilisation. What the fuck? En sociabilitation. Sociabilisation. What the fuck? Il y avait un book là qui était en... Ah, lui. En sociabilisation. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un signe. C'est quoi cette vidéo? Il y a un signe, il est en sociabilisation. Oui, ils sont en sociabilisation. Non, ils ont buté. Oh, ils ont buté un signe, je crois. Je sais pas. Il y a un oiseau qui est à côté des boucs, il est en sociabilisation. Très bien, tout est normal, tout est bien, tout est... Quoi cette photo? Ah, il caresse ses loups avec la tenue dégueulasse là. Putain, mais qui met ce genre de tenue? Non, franchement, très franchement. Je comprends pas comment tu peux aimer ça. Les tenues futuristes là, dans les trucs du passé, je trouve ça. Enfin, alors, je peux comprendre, mais c'est pas du tout à mon goût. Voilà, je vais être raisonnable. C'est pas du tout à mon goût en fait, genre. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est quoi ça? Oh non, on me dit pas que c'est un gros camp à attaquer. Oh, ça me ferait chier. Oh, c'est un petit camp. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, juste... Ouais, non, non. Je vais dire un truc, mais je le dirai en début de vidéo, comme ça je... Parce que je regarde pas toutes mes vidéos, donc enfin un entier avant de les poster. Je regarde vite fait 2-3 passages. Poste d'observation, désolé. Cet endroit est très bien gardé. Ah oui, oh merde. Oh putain, oui, oh oui, ah oui. Tant qu'il n'y a pas de gros géants, ça me va. Un trésor sous terre, apparemment. Ouais, ok, il y a une entrée là. Mec qui soit attaqué par des guépards, ok. Enfin, léopard, ouais, je dirais souvent guépard alors que c'est léopard, enfin bref. Y'a pas.
quand le guépard qui attaque. Oh putain, le guépard qui fonce sur lui. Le guépard qui. Ah non. En embuscade. Ah ok, ok, il y a des mecs qui m'attendent en embuscade. Je vais m'occuper de toi. D'où tu me vois de là, toi? Depuis quand vous avez une. Il y a quelque chose ici. Tout près. Depuis quand vous avez une si grosse vue, les gars? Allez, viens à moi, viens à moi. Où es-tu? Où? C'est bon. On a juste un petit truc à prendre et. Voilà, on peut y aller enfonçant sur les deux derniers, je pense. Quoi? Toi, tu vas crever! C'est pas ça que je veux faire, disparade. Ça marche aussi. Ça, c'est fait. Bon, mais j'ai fini le camp, il n'y a plus personne normalement. Il faut brûler ça. Hop, on attend que ça prenne feu. Il n'y a pas le guépard qui vient vers moi, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour. Épée normale. Ok. Je repense, je suis désolé, je fais que rigoler, mais je repense, j'ai des flashs dans ma tête où je revois le mec tomber de la falaise en fait. Et je m'en remets pas, je m'en remets vraiment pas, c'est un truc de fou. Oh putain, là aussi j'ai oublié un truc, t'es sérieux? Là il y a 3 points d'interrogation. On va y aller, c'est un truc de lion mais on va y aller. Oh. Il faut que je lise le truc de PSTHC là pour savoir si c'est des trophées manquables. Vous ne pourrez pas revenir compléter l'endroit avec Bayek, vous obligeant à recommencer une partie entière si vous jouez avec Aya. Pour éviter cela, le plus simple reste encore de nettoyer la région d'Alexandrie avant la mission principale, Aya, le nom de la déesse. Donc ça, je l'ai fait. Le jeu insistera sur le fait qu'il s'agit d'un point de non-retour, même si ce n'est pas très temporaire. Donc vérifiez bien que vous avez tout fait dans la grande ville avant de poursuivre. J'ai pas tout fait, mais c'est pas grave. Bien qu'il ne puisse pas être manqué, prêtez attention au trophée recyclage qui nécessite de revendre 100 babioles. Contrairement, ça je l'ai eu. Ramassez immédiatement les silices lorsque vous le visitez. Les différents mécanismes anciens, tout nécessaire à vieilles habitudes. Et c'est quoi vieilles habitudes? Dompter un lion, fabriquer 20 objets. Ah ok, ok, fabriquer 20 objets, c'est... J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Oh, j'en ai plus que 10. Ça, je l'ai eu. Battez un phylax, donc un phylac. 15 lieux sous l'eau, ça on l'a fait. 12... Ah, ah. Les cercles de pierre, ça, il faut que je le fasse. Ok, atteignez le niveau 20, c'est fait. Utilisez 30 fois hop du crépuscule pour accélérer, ça on l'a fait. Revendez 100 babioles, résolvez un mystère de papyrus, on l'a fait, fuyez 3 affrontements. Ah, fuyez 3 affrontements avec un hippopotame. Ok, bon, ça c'est ok, on va fuir des hippopotames. Terminez tout le lieu. Ah, n'oubliez pas de ramasser la silice pour terminer l'un des lieux. Là encore, vous aurez besoin de 50 silices, voire ci-dessous, pour activer le mécanisme ancien sous le sphinx. Ah! Ramassez-les durant l'exploration des tombeaux pour ne pas y retourner. Les différents cellules sur la carte sont indiqués de la manière suivante. J'ai combien de silices là? Ça me fait peur. Oh putain, j'en ai... C'est ça, non? J'en ai que 35. J'espère qu'il y a d'autres tombeaux. Si vous avez du mal à repérer les lieux, baissez la luminosité du lieu au minimum pour faire sortir les icônes sur la carte. Dézoomez juste assez pour les faire apparaître. Hein. Vous révélez la nature du lieu... Les statues de Totonimé ne sont pas nécessaires, ouf. Les courses de l'hippodrome et les arènes ne le sont pas non plus, tant mieux. Donc on n'a pas besoin de finir les arènes pour le trophée.
Il est nécessaire de ramasser les parchemins, mais il n'est pas obligatoire de les résoudre. Ah, sauf pour... sauf un. Ok. Les cités et les villages n'offrent aucun objectif, il s'agit simplement de points de voyage rapides gratuits, et vous pouvez faire apparaître l'ensemble des lieux en vous synchronisant au point de vue exceptionnel. À l'exception de la caverne d'Otep dans la dépression de Katara, ou un ultime lieu en terminant le jeu à Memphis. Uh-huh. Ah merde, j'ai failli me faire spoil là, alors là il faut faire gaffe. Utilisez au moins une fois chaque type de véhicule. Felouk avec voile, charrette, char à deux chevaux, je crois que ça je l'ai. Tuer 30 ennemis en tirant... alors ça va être très chiant. Ah oui, putain, il faut que je le fasse, ça. Tuer 30 ennemis en tirant une flèche enflammée sur les jarres d'huile. Les jarres d'huile, ils vous permettent de... En pratique, vous voudrez sûrement booster ce trophée. Pour cela, je vous conseille l'arsenal de Kibotos à Alexandrie. Allez-y une fois le niveau 40 atteint pour vous faciliter la vie. Avant de foncer dans le tas, prenez le temps d'équiper un arc légendaire avec le truc en feu. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Tuer un ennemi d'un flèche dans la tête en étant en l'air. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Nager 1500 mètres, ça on l'a fait. Utiliser l'aigle pour un total de 30 minutes, ça on l'a fait. Et l'ennemi empoisonné de niveau 35+. Pour entreprendre ce trophée, vous aurez besoin de pouvoir empoisonner un adversaire. Je vous recommande les fléchettes empoisonnées de la branche clairvoyant. Alors ça, c'est ça justement que je voulais lire, parce que... la branche clairvoyant, ok. Mais je n'ai pas... ah mais si, je l'avais débloqué, les poisons, je suis débile. Je suis un abruti. Les flèches empoisonnées, mais si je les ai, les flèches empoisonnées, du coup, tu as un ennemi empoisonné niveau 35+, avec la torche en moins de 35, en moins de 30 secondes. Ok, donc, quand vous êtes préchargé, votre type d'outil dans la... lancez-en une sur votre adversaire et ne perdez pas de temps. Équipez-vous de la torche en maintenant 1, puis courez sur un ennemi pour lui asséner le maximum de coups. Avec R1, normalement, vous n'aurez pas trop de difficultés en tuant en moins de 30 secondes, débloquant ainsi le trophée. Vous le verrez si vous regardez la vidéo, je ne suis pas tout seul à taper sur l'ennemi, il est possible de se servir des rebelles ou d'un allié pour obtenir le trophée. Personnellement, je l'ai fait durant la mission des Nébons du désert. Ok, bon. Alors désolé, j'ai... oui, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça en vidéo, mais c'est pas grave. Ça c'est fait. Alors... ouais, j'ai un nouvel arc, on s'en fout. Je peux améliorer ma lame secrète, tout ça. On va améliorer les dégâts à l'arc. Ok, parfait. Si on voit des hippopotames, il faut que je fuis. Je pense que je l'ai déjà fait, mais on va le refaire au cas où. Histoire 2. J'ai la flemme de vérifier en fait quel trophée j'ai et tout. Donc, il y en a là. Ah non, c'est des rochers. Là, il va y avoir une taverne de lion, 100%. 100%. J'espère qu'il n'y aura pas d'embuscade. De connard de merde, de romain de mes couilles là. Et voilà. Entre deux lions. D'accord, en plus, Bayek. Là on peut, on a plus de place. Ta mère. Ils sont blessés dans tous les cas, donc ils vont mourir. L'animal est mort. Le mal alpha en tout cas. Ah, c'est lui que j'aurais tué avec l'attaque spéciale, mais c'est pas grave. C'est bon ou elle est empoisonnée là? Ah, j'ai eu les deux? Ok, j'ai eu les deux. Parfait. Y'a pas un petit truc là? Un petit... Mange, dors. Ok. Un autre point d'interrogation. Pas loin. Une petite photo.
Oh, le pauvre. Oh non, c'est super classe. Ah, c'est super classe. Attendez, je la prends en photo parce qu'elle est super classe. Il faut que je mette like. Il faut que je mette un like. Oh, elle est super classe celle-là. C'est. Merde, comment on fait pour mettre like? Un carré. Ah! Un camp de Romains. C'est le même camp que je viens d'attaquer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais. On en est là. Je vais devoir être prudent. Nolite Ibi! Ça c'est fait. Parfait. Hop. Le trésor. C'est quasiment le même camp en fait. Bon, en même temps, vous me direz, c'est un petit peu normal, hein, mais. Enfin, normal. Ils ont la même architecture parce que ça marche bien, mais sinon. Enfin, j'imagine. Côté stratégique, ça devrait marcher s'ils font tout en même que. Le même camp. Là. Un nouveau point d'interrogation qui est sur la route. Ça pue un peu, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'endroit pour récupérer des flèches. J'en ai 4 sur 9, c'est pas cool. Hop, je suis passé à côté. Hop, parfait. Un autre camp là-bas, ok, bon c'est juste à côté, on va pas. On va pas appeler le cheval pour ça. Oh. Ah. Je l'ai raté. Bonjour les bouquetins. Quoi? D'où ils me voient d'ici là? Sérieusement? Oh putain. Il y a un mec qui fuit. Ok, pourquoi pas. Ah. Je me croirais dans Fortnite. Oh putain. Nihilik frater. Écoute, t'en profiter. Et si je mets ma. Attendez, si je mets mon viseur sur sa tête de base et que je tire de suite. Voilà, sensi, mon gars. Stante ! Voilà ! C'est pas du tout la bonne précision. Tant pis. Ok. Bon, ben voilà. Waouh.
Ça c'est fait. On va se mettre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Ici et ici. Oh putain. Est-ce qu'on se téléporterait pas, les gars? Surtout pour celui-là, là. Oh, celui-là, il va être chiant à y aller, je crois. 1000 km à traverser la montagne. Ah ouais. On va se téléporter. Il est où? Je vois plus. Ah, il est là. Ah, il y a un éléphant de guerre. Ah, bah, on va essayer de finir sur l'éléphant de guerre, je pense. Ou alors, je les garde pour la fin, je sais pas. Surtout qu'il y a un truc de papyrus dans l'éléphant. Souvenez-vous, souvenez-vous. Odeur de sainteté. Une heure de... deux heures de vidéo déjà? Ouais, non, je vais faire les deux points d'interrogation là, je vais arrêter. On voit point d'interrogation là et on arrête. Et Oh putain, c'est dans les montagnes. Adieu. Vous savez, il boite quand il vient de tomber, il boite. J'aime bien ce détail. Je crois que je l'ai dit déjà au début du jeu, mais je le redis parce que c'est un beau détail donc. C'est Juliette. Je crois qu'on est passé à côté d'une embuscade. On a eu chaud. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais. Presque. Faites que ce soit pas un gros truc. Faites que ce soit pas un gros truc. Faites que ce soit pas un gros truc. C'est un truc chiant. Ça a l'air d'être un truc chiant. Le repère de Polydeus. Donc c'est un endroit où ils ont plusieurs dieux, c'est ça? Vu la traduction, Ah mais c'est tout en souterrain. Okay, ça va. Oula, oula, il y a beaucoup de gens. Si jamais on me voit ici... Oui, la galerie. Est-ce que vous pensez que je peux lancer ça? Je vais prendre feu si je passe. Quoi? Putain, ça m'a mis le feu.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un croit pouvoir nous avoir, il va avoir une drôle de surprise. On va s'en occuper. J'ai envie de tenter un truc. Comme toujours. Il pleut! D'accord. J'ai voulu faire un plaquage, mais... Tu as entendu? Ouvre le frère. Je te couvre, mais prudent. Merde. Putain, il est en feu, le cadavre. Allez, descends, viens, viens aider ton pote, là, putain. Allez, mon pote. Oh. Allez, viens. Casse pas les couilles. Allez, 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 bourrine, bourrine. Triangle, assassiné. Voilà. Bonjour. Ok. Ça c'est fait. Le repère de machin truc c'est fait. Et ben on va s'arrêter là, tout simplement. Il est où le dernier point d'interrogation? Il est là. On va s'arrêter là. Enfin, je vais continuer moi de suite. Je vais continuer de suite, tout simplement. Alors, on commencera peut-être avec l'éléphant. On va commencer avec l'éléphant, vous savez quoi. Donc sur ce, à la prochaine.